création du projet BOUM, qui est un acronyme de Band Orchestral Urbain de la Mauricie. Donc, à l'École Saint-Paul, ça fait déjà un petit moment que c'est démarré, mais c'est des ateliers, ateliers musicaux qui se déroulent après les classes, tous les jours de la semaine. On a une cohorte de 17 enfants enrôlés dans le projet cette année. Et le but du projet, évidemment, c'est d'ajouter une cohorte à chaque année. Depuis de nombreuses années, il y a de multiples études qui démontrent les impacts au niveau émotionnel, parce qu'on sait que la musique exprime toute la gamme d'émotions. Au niveau intellectuel, parce que évidemment c'est un langage qu'il faut apprendre, au niveau de l'écoute. Donc, à tous les niveaux, c'est vraiment émotionnel, intellectuel, moteur. Ça demande énormément de discipline. Les enfants, pour l'instant, apprennent les rudiments de la musique, mais à partir de la mi-novembre, ils vont commencer à apprendre le violon et le violoncelle. Donc, rien de moins. Je veux dire, c'est quand même les cordes sont les instruments, sont des instruments très difficiles à maîtriser. Donc, ça demande énormément de maîtrise de soi aussi. On sait qu'à l'École Saint-Paul et l'École Saint-Philippe, qui sont les deux écoles qui participent, on est dans des milieux de vie très vulnérables. Donc, c'est des clientèles de milieux défavorisés. On veut vraiment, avec ce projet-là, donner des chances égales à tous les enfants. Si vous voulez chanter au rêve,